Allez, nous sommes avec Benjamin Beau. Donc finalement, malgré ces 10 dernières minutes difficiles, vous prenez quand même un point. Donc c'est quand même plutôt positif. Ouais, c'est positif de venir prendre un point ici, chez cette belle équipe de Pamiers. Je crois qu'il n'y aura pas beaucoup de monde qui viendront gratter des points. Après, forcément déçu un peu du match et de la physionomie parce que je crois qu'on met beaucoup d'énergie pour marquer des points, pour aller chercher deux pénalités là en première mi-temps. Et sur les réceptions de coup d'envoi, ils remarquent de suite, on fait deux fautes bêtes et ils égalisent deux fois, alors qu'on peut creuser l'écart. Après, c'était un match à l'extérieur avec des conditions difficiles, ballon glissant, donc c'était un test pour nous contre une belle équipe de Pamiers, par leur qualité, et puis le deuxième test par les conditions, s'adapter aux conditions. On a vraiment eu l'impression, et Benjamin, nous on commentait en tribune, on a l'impression que vraiment ce score de parité qui tient pendant les 60-65 minutes, 12-12, 15-15, 18-18, on a l'impression que si vous aviez pu mettre ce petit coup d'accélérateur, peut-être que vous seriez passé devant, même si tu l'as dit si bien, hein, cette indiscipline, ces cartons, mais à l'extérieur, ça ne pardonne pas, quoi. Non, ouais, on a ces deux cartons qui nous font mal, mais je crois que malgré tout, on n'a jamais su les mettre à mal dans le défi physique. Dans le défi physique, on a eu du mal à trouver l'avancée. Sur les ballons portés, pareil, on a eu du mal à les mettre à mal. Après, bon, match à l'extérieur comme ça, de mauvaises sorties de camp, deux cartons jaunes. Au final, on ne meurt pas loin, mais je crois que c'est de bon augure pour la suite et voir la marge de progression qui nous reste à faire. Et tu dirais que cette défaite, elle est presque, par rapport à la physionomie du match, pardon, elle est presque logique, puisque je note aussi que c'est une des premières fois où vous n'avez quasiment aucune occasion d'essai. Donc finir à 5 points, peut-être que finalement, avec les dernières minutes où Pamiers pousse, peut-être que ça reste peut-être logique. Non, pour moi, leur victoire, elle est tout à fait logique. Hein. Même on s'en sort bien, parce qu'heureusement qu'on a cette petite réaction d'orgueil à la fin pour aller chercher cette pénalité, pour rentrer dans le bonus. Non, leur victoire est amplement méritée, alors voilà, ce qui nous montre la marge de progression et le travail qui reste à accomplir. Et le prochain match donc contre le TOC, et là bien entendu, il ne faut pas se manquer à la maison, il faut s'imposer. Non, voilà, on veut rester vaincu à domicile, donc ça passe forcément par un gros match, une grosse performance contre le TOEC, voilà. Allez, on te remercie, puis à très vite. Bonne soirée, ciao.